Option profil peut-être. Entrer un nom. Scénario terminé 0. Profil. Comment on entre un nom? Ici. Voilà. Ok. Donc là on joue avec le profil Percy. Ok. Comment on lance une game? Accident. Alors, cas d'accident, laboratoire virtuel de crash test, le 4 juin 2031 à 11h45. Mannequin, ok. Commencer la simulation. D'accord, donc en fait, on va pas se rendre directement sur les lieux d'incident, on va juste voir dans un casque VR ce qui s'est passé et intervenir. Donc, au final, ok. Je pensais vraiment qu'on allait aller directement sur des lieux d'accident, mais finalement, pas du tout. Juste, on est dans un casque VR, quoi. C'est un peu étrange, mais ok. Ok. Nouveaux objectifs, appeler les secours. Oh là là. Smartphone. 1. Faut vite que je les appelle. Allô? Est-ce que c'est le service d'urgence? Ils ne vont pas décrocher. Merci pour votre appel. Je vais vous guider à travers ce tutoriel. Pour d'autres explications, regardez les vidéos. Ok. D'accord. Pour tous les accidents, votre priorité absolue est d'appeler les services d'urgence le plus rapidement possible. D'accord. Bah ça c'est fait. Allumez les feux de détresse. Hop là. Ok. Le son du jeu est peut-être un poil trop fort. Audio. Voilà, je baisse un peu parce que vraiment il me nique les oreilles. Éteignez le feu. Ok. Sors de ma voiture. Oh putain. Le panneau d'avertissement en haut à droite affiche si quelque chose nécessite une action immédiate de votre part comme un incendie. Ok. Il me faut un extincteur. C'est bon, j'ai l'extincteur. C'est bon. On a eu chaud. On a eu chaud. Yo Haro, comment ça va? Hop là, on va prendre le triangle de pré-signalisation qu'on va placer juste là. Si j'y arrive. Lorsque vous apportez votre aide, suivez toujours ces 4 étapes. Appelez les secours. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire. Comment je pose le triangle de signalisation du coup? Signaler le feu de l'incident. Ah, il faut que je le mette là-bas, d'accord, ok. T'es tombé du lit? Bah, je me suis réveillé à 7h. Couper le contact de la voiture rouge. Hop là. J'entre dans la voiture rouge, carrément. Ok. C'est bon. Vérifier toutes les S. Les S? Alors, les S, qu'est-ce que c'est qu'un... Dans le coin supérieur haut, vous pouvez voir les icônes. Lorsqu'une barre de santé atteint 0, cette personne décède et le scénario se termine par un échec. Cela ne compte pas si elle était morte à votre arrivée. Pour savoir quelle barre de santé appartient à une personne spécifique, vous devez d'abord l'inspecter. J'arrive! Monsieur! Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Secouez doucement l'épaule. Monsieur, vous m'entendez? Réveille-toi, chacun, t'es le mec. Monsieur? Ok, faut que je reste appuyé, d'accord. Vérifie la respiration. Il respire! Oh, par contre, il a une haleine de chacal. Hein. Mais ça, on verra plus tard. Il a une plaie. Deux plaies. Oh. Ok. Monsieur? J'adore comment je les secoue. Oh non. Il respire pas. Il respire pas. Vous pouvez remonter le temps jusqu'à l'étape précédente. Pour ce faire, appuyez sur le bouton rembobinage et maintenez-le enfoncé. Au bout d'un moment, vous verrez une représentation de la chronologie. Ensuite, attendez que le temps revienne à l'étape souhaitée et relâchez le bouton.
Cela permettra de sélectionner cette étape et de remonter le temps jusqu'à son début. Si vous maintenez le bouton de rembobinage enfoncé jusqu'à la fin, le temps de rembobinage s'écoulera jusqu'à votre arrivée sur les lieux. Ok. Remontez jusqu'à l'étape précédente. Vut. Ok. On va remonter jusqu'à... Ouais, bah je l'ai déjà fait ça, non? Peut-être qu'il faut que je remonte encore. Ok. Ça fait penser aux formations RCP. Je connais pas du tout. Mais moi, j'ai fait qu'une fois, moi, les formations. Normalement, c'est un truc que tu dois faire souvent, les formations premier secours. Histoire d'être à jour. Je n'ai jamais fait. Enfin, je l'ai fait une fois pour le lycée et après... Tant que vous êtes en mesure de les aider. Ok. Aider les S. Comment qu'est-ce que je dois faire? Je vais paniquer là. Il faut une trousse de premier secours. C'est bon. J'arrive, monsieur. Rendu possible par d'autres actions comme le ramassage d'un outil pertinent. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais gérer. Alors, je mets des gants. Monsieur, vous inquiétez pas, je vais ouvrir votre voie respiratoire. Ok. Ok, j'ai récupéré un masque. Je vais le mettre sur, sur... Ok, compression thoracique. Oh putain, attends, c'est quoi cette merde? Rythme 100 à 120 BPM, battement par minute, intensité de 5, 2, 20. Je comprends rien. Ok. Oh putain. Monsieur, vous inquiétez pas, je suis là. Hein. Oh, nouveau record. Ventilation artificielle. Je vais vous souffler. Ah, mais attends, mais maintenant, il y a un truc comme ça. Genre, tu fais plus du bouche à bouche direct. Putain, quelle tristesse, quoi. Je vous souffle dans la bouche, monsieur. What? Ah, d'accord. Attends, c'est quoi cette merde? Oh, il faut... Ok. Ah. Il respire toujours pas. Ça ne se fait plus le bouche à bouche ni le masque d'ailleurs. Mais du coup, tu fais quoi du coup? Bon, le jeu, il date un petit peu. Je sais pas de quelle année il date, mais je pense que oui. De toute façon, les premiers secours, les gestes de premier secours, ils se renouvellent tous les je sais pas combien de temps. Tu dois repasser, je sais plus comment ils appellent ça, là, le diplôme de premier secours. Tu dois le faire tous les 3-4 ans, je crois. 2021, il est sorti le jeu. C'est juste un massage cardiaque? Ok. Rassemblez tous les indices, remettez les événements dans le bon ordre. Alors, comment on remet tous les indices? Ah, il faut que j'aille là. Ok. Indice. Placez cette preuve en première position. Tiens, tiens, tiens. Voici la troisième preuve. Voici la deuxième preuve. Voici la quatrième preuve. Très bien. Remettez les événements dans le bon ordre. Alors, comment je fais ça? Ah oui, d'accord. Donc, il avait un problème de pot d'échappement. J'ai rien compris à ce truc, mais j'ai réussi. Scénario terminé. Ouais. Il est mort. Mais c'est juste un mannequin. Donc, tout va bien.
Même le deuxième est mort? Nice. J'ai rien compris. Moi, je suis là juste pour faire du bouche à bouche. Ah, c'est terminé. Hop là. Attends, on m'envoie un message. Salut! Maintenant que t'as terminé le tuto, tu peux commencer à travailler sur de vrais cas. Et Amy t'a préparé deux cas à résoudre. Rappelle-toi juste que si tu as des problèmes, tu peux toujours refaire le tutoriel. Je suis un professionnel, j'ai pas besoin de tutoriel. Bon, j'en ai quand même fait un. Ok, nous sommes dans la province de Teramo, en Italie. 4 septembre 2012, il est 17h20. Premier intervenant, Felice Giordano. Ok. Let's go. On y va. On lance la simulation. C'est parti. Au moment de décider qui aider, pensez à qui la vie est la plus menacée. Et moi, il y a un truc. En plus, je crois que je vous l'avais déjà dit. Il y a un truc que j'ai toujours, me suis toujours souvenu. C'est le système du PAS. C'est vraiment le pas. En gros, protéger, alerter, secourir. Quand tu arrives sur un accident, normalement, tu dois toujours faire ça. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai passé mon truc de premier secours, on m'a dit ça comme ça. Après, ça se trouve, maintenant, c'est autre chose. Mais normalement, c'est protéger, alerter, secourir. Genre, par exemple, imaginez, vous avez un mec qui s'est électrocuté dans de l'eau avec une borne électrique. Bah, tu coupes le courant, après, t'appelles les secours et après, tu regardes si tu peux aider le mec. Moi, on m'a appris comme ça après. Hop, feu de détresse. On ramasse le smartphone, on sait jamais. Peut-être qu'on peut prendre des vidéos. C'est le mec. Ah merde, non, c'est bon, faut que j'appelle le SAMU. Ah. Merde. Je suis trop con. Écoutez, le TikTok avant tout. Bonjour, oui. Je suis sur un accident. D'accord, merci. Voilà. C'est... Hop là, marquer le lieu de l'incident. Hop, je sors. Quel secouriste, bah oui. Alors, mon triangle. Tac. Excusez-moi, je cherche mon triangle. Ah. Tac. Ok. Pourquoi il me dit qu'il faut que je le fasse deux fois? Je fais comment deux fois? Comment je marque deux fois le... Oh putain, je suis tellement fort. Waouh! Oh, je suis balèze. Attends, mais comment je marque... Oh, il y a un mec qui est en train de mourir. Mais attendez, mais c'est stressant. Mais comment je mets deux triangles? Comment je marque deux fois le truc là? Pose de premier secours, extincteur. Mais j'ai qu'un triangle. Mais quelle idée d'avoir qu'un triangle, putain! Couper le contact dans les véhicules. Ah putain, mais ouais, t'as raison, il y a peut-être un triangle dans l'autre bagnole. Attends, je vais couper le contact de mon véhicule. Ah, bah, ça marche pas. Attends, tac. Ah, mais il y a un véhicule là, putain! T'es coincé, ok. Hop là. Monsieur! Ok, j'ai. Je reviens plus tard. Je suis dépassé par les événements là, il y a trop de trucs à faire. Est-ce que vous avez un triangle, madame? Ok, nickel. Je vous vole votre triangle. Hop là, c'est bon. Ok, vérifiez votre position exacte. Vérifiez tous les corps. Ma position exacte. Comment je sais ça, moi? Il y a marqué quoi, là? Il y a rien de marqué. Nom d'un chien. En fait, je peux remonter dans le temps. C'est vrai que je peux remonter au début et carry la game, en fait. Et il n'y a pas l'impression qu'il y ait grand-chose par là. Au pire, on vérifie tous les corps et la position exacte, on la verra plus tard. Ah, côté passager, y'a rien. Ne sortez pas les corps de leur voiture si vous êtes absolument obligé. Reculez leur tête pour dégager les voies respiratoires.
Laissez-les à l'intérieur. Madame ? Elle a pas l'air de m'entendre. Détachez la ceinture de sécurité. Ouvrez les voies respiratoires. Elle respire ! Ok. C'est matinal, toi. Ah, en plus, je suis en pleine forme, gros. Comment ça va, Setsuna ? Attendez, madame, je vais enlever votre ceinture. Je vois pas la ceinture. Madame, est-ce que vous êtes vivante ? Oh ! Elle a la nuque brisée ! Une plaie. Je vérifie sa respiration. Elle respire plus. Madame, monsieur. Monsieur, vous allez bien? Oh putain! Y'a Groot dans l'an. Y'a Groot qui lui a défoncé le. L'épaule. Carrément, je le bouge. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment bien ce que je fais. Ok, lui il respire. Ok. Attends, mais comment ça, 4 cadavres? Comment ça, 4 cadavres? Mais attendez, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un là, non? Non? Mais attendez, il manque quelqu'un. Quoi? Attends. Comment ça, 4 cadavres? Je suis en panique là. Extincteur. Il manque un corps! Il manque un corps! Quatre cadavres. Attendez, je suis en panique. Attends, comment je fais pour savoir où je me trouve exactement? Ah, je peux peut-être regarder le GPS. Putain, excellent ça. Tellement intelligent. Ok, c'est bon, j'ai ma position exacte. Ok. Donc quoi, ouais, il faut pas paniquer. Pas du tout en train de paniquer. Mais il y a un mec, il est en train de mourir. Attends. Ok. Il manque un corps. Elle a quoi la dame là dans son coffre? Pas grand chose. Ok. Il est coincé. Ah mais il est là. Oh oh. Il a l'air mort. Oh, je veux pas. Je veux pas faire le mec. Monsieur. Je pense qu'il est mort. Je veux pas dire, mais il y a des chances qu'ils sont morts. Très bien, d'après ce que vous m'avez dit, vous devriez aider l'homme. J'ai pas su lire. J'ai pas su lire. Lequel qu'il faut que j'aide? Bah ça va pas. Peut-être le mec là-bas. Ok, c'est lui. J'y vais. Faut une trousse de secours. Coupez là et pensez la blessure. Ok. Hop. Tac. Alors, comment je coupe l'arbre? Coupez la branche. Avec mon petit cutter. Ok. Mettre des gants. Ok, je mets des gants. Tac. Mettre des gants. C'est bon. Ramasse les ciseaux. Retirer les vêtements. Hop là, je découpe ta belle chemise, mon pote. Pensez la plaie autour de l'objet. Ok. Tac. Hop là, je pense. Faire pression jusqu'à l'arrivée des secours. Je presse. Ne viens jamais me sauver. Non mais vous avez vu comment j'ai géré? Il n'y en a aucun qui est mort. À part ceux qui sont morts avant que j'arrive. Alors. Premier indice. Aristo se trouve sur l'accident, mais perd le contrôle et heurte un arbre. Très étrange. Tiens, des rondins non attachés tombent de la remorque d'exploitation forestière. Tiens. Une branche.
est coincé dans le volant de la voiture, ce qui rend impossible tout virage. Mouais. Un rondin s'écrase sur la voiture derrière. Tiens. Et qu'est-ce que c'est que ça? Non pertinent, ok. Remettez les événements dans le bon ordre. Les rondins non attachés tombent de la remorque d'exploitation forestière. Une branche est coincée dans le volant de la voiture, ce qui rend impossible tout virage. Un rondin s'écrase sur la voiture derrière. Oh putain. Alors attends, parce que si on part du principe que... Des rondins non attachés tombent de la remorque d'exploitation forestière. Un des rondins s'écrase sur la voiture derrière. Aristo se retourne sur l'accident, mais perd le contrôle et heurte un arbre. Bon, pour moi, c'est ça, hein. Apparemment, c'est pas ça. Attends, quoi? Pourquoi? Ah bah, apparemment, c'était ça. Oh là là, je dis tellement fort! Techniquement, tu coupes pas la branche avec un cutter, ouais. Je me doute bien. Heureusement pour Aristo, la branche qui lui a percé la poitrine a manqué ses poumons. Grâce à cela et à votre aide immédiate... Merci. Et à votre aide immédiate, malgré une infection mineure, ses blessures ont guéri en un temps raisonnablement court. En quelques semaines... Ok, j'ai pas le temps de lire. Le rondin qui est tombé sur leur voiture a tué Hippolito sur le coup. Il a été enterré une semaine plus tard dans sa ville natale. Après avoir appris que le chauffeur du camion s'était enfoui du lieu de l'accident, sa famille l'a poursuivi en justice ainsi que toute l'entreprise. Après une longue bataille juridique, ils ont gagné assez d'argent pour payer l'université de leur enfant orphelin. Rufina Ferry. Tout comme son mari, Rufina est morte au moment où le rondin est tombé sur sa voiture. Ils ont été enterrés ensemble par leur famille. Son fils Renzo, âgé de 9 ans à l'époque, a été élevé par son parrain et sa famille, puis est devenu ambulancier. Ah, il était tellement, tellement content de moi qu'il voulait devenir comme moi, le mec. Bien qu'elle n'ait subi que des blessures mineures, Otavia a beaucoup souffert de l'accident. Dès qu'elle a repris connaissance, elle s'est reprochée de ne pas avoir évité la voiture qui l'a précédée et l'image de l'accident est restée longtemps gravée dans sa mémoire, provoquant des crises de panique et d'autres symptômes semblables au syndrome de stress post-traumatique. Malgré une thérapie intensive, elle n'a jamais eu assez de confiance en elle pour conduire à nouveau une voiture. Je live jusque quand? Oh, je sais pas. Je sais pas. Oh, mais carrément, on voit l'accident après? Non, mais c'est affreux. Oh, longtemps, je pense. Mais c'est affreux, on voit l'accident. Attends, quoi? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible qu'une branche vienne se mettre au niveau de la roue et bloque la roue? Je sais même pas, c'est possible, vous pensez vraiment qu'une branche vienne se mettre dans la roue et la bloque? Ouais, c'est possible. Je ne savais même pas, vous voyez. Par contre, ouais, c'est chaud en vrai. Mais en vrai, ce jeu, du coup, je trouve qu'il est pas mal parce que ça permet aussi de voir un petit peu les problèmes que tu peux avoir sur la route. C'est un peu de la prévention quand même. Après, il est chaud quoi. Je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'on voit l'accident. Nous sommes en Russie le 4 mars 2021. C'était il n'y a pas si longtemps, 14h20, Oleg Ignatiev, premier intervenant. Let's go. Là, en plus, il y a de la neige. C'est possible, mais là, vu comment c'était, c'est pas possible normalement. Ok, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ouais, après, bon, ça reste un jeu, quoi. Mais oui, c'est possible que une branche vienne empêcher la rotation de la roue, quoi. Ok, maintenant je sais comment ça se passe. On va pouvoir gérer. Je vous dis là, on tryhard le truc. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Un peu de neige. Tout se passe bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, un accident. Il faut que j'appelle les secours. Attendez. Alors, mettons les warnings. Ah non, attends. Il est où mon téléphone? Hop là, déjà faut que je le cherche.
Allô, service d'urgence. Y a pas de ré... Quoi? Y a pas de réseau. C'est la merde. Putain de merde. Allô, service d'urgence. Y a pas de réseau. Mais je fais comment? Attends, mais je fais comment pour appeler les services d'urgence s'il n'y a pas de réseau? Mais il n'y a pas de réseau! Non, mais c'est la merde en vrai! Alors, ça serait con que je décède. Attends, mais... Comment je fais ça, moi? Ça doit y avoir un truc à faire, en vrai. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre ou pas? Dans ma voiture. Déjà, je peux pas mettre les warnings. C'est très étrange. Après, je suis pas sur la route, je suis sur le côté, donc c'est peut-être pas hyper dérangeant non plus. Est-ce que j'ai un triangle? Est-ce que je peux mettre le triangle ou pas? Au vu du fait que je suis pas sur la route, c'est peut-être pas utile. Ah si, regardez, là, je peux mettre un triangle là-bas. Oh, merde. Ah! J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Oh merde. Oh putain, j'ai eu trop peur. Mais quelle idée de mettre le triangle là-bas, putain de merde. Mais là, faut que j'appelle les urgences, mais j'ai pas de réseau. C'est chier, ça. Ouais, mais ouais, attends, je fais comment pour... Mais je peux rien faire, en fait. Attends, vas-y, je réessaye de mettre mon triangle. Ah, là-bas, il y a peut-être des trucs. Mais un accident là-bas aussi. Hop là. Ah, je suis pas sur la route, c'est bon. Oh le stress. Qu'est-ce qu'il y a par là, y'a quoi? Mais y'a un accident là aussi, putain. Non mais en vrai là je sais pas quoi faire. Oh, y'a un deuxième smartphone. Mais lui il a du réseau ce bâtard. C'est quoi, j'ai oublié de payer mon abonnement ou quoi? Non mais c'est trop, SFR c'est de la merde hein, je vous jure. Merci, l'ambulance arrivera bientôt. Ok, nickel. Tout d'abord couper le contact dans toutes les voitures. Ok. Mais l'autre, elle est à 20 000 km, gros. Faites attention lorsque vous traversez la rue. Ok. J'ai peur. Essayez de déplacer les débris. Celle-là, elle est bloquée. Alors, vérifier tous les corps. Mais attends, ah mais ils sont deux à l'intérieur. Monsieur, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Il a pas l'air de m'entendre. Je détache votre ceinture. Montrez-moi votre belle nuque. Votre beau cou, pardon. Ok, il respire.
Oh putain, comment je vais faire là? Merde! Comment je fais là? Ok, j'aurais. Ok. Vérifiez votre position exacte. Je reviens, madame. Comment je vais faire? Ça va prendre ton temps, hein. Je vais aller directement voir le mec là-bas. Comme ça, je vais lui demander. Enfin, je vais l'ausculter. Putain, c'est tellement stressant quand tu passes sur la route comme ça. Du coup, maintenant, j'ai peur. Monsieur, est-ce que... Ouh, la belle plaie à la tête. Elle a l'air d'avoir faire mal, celle-là. Il a une plaie ici. Il respire. Ok. Donc lui, c'est bon. D'accord. Il reste la dernière personne. Il reste une personne, mais je sais pas comment l'atteindre. Ça, mais en vrai, n'empêche, ça c'est un truc. C'est le nombre de personnes en vrai qui doivent décéder quand ils essayent de porter secours à quelqu'un. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Putain, mais comment j'atteins bloqué par une fenêtre? Comment je l'atteins la meuf là? C'est bloqué de partout en fait, je peux pas l'atteindre. Limite, faudrait que je tège le mec. Est-ce que je peux faire? Je peux pas faire. Ah! Oh, nice! Je peux faire ça. Ok, ils respirent tous. Protéger les du froid. Comment ça, protéger les du froid? Essayez de mettre un bandage sur la tête du conducteur. Ok. Putain. Il est où? Il est là. Météo est très dangereuse, mettez l'homme dans la voiture et assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont fermées. J'arrive pas. Putain. Je vais le mettre dans ma voiture. Oh merde. Vous voyez pas, je transporte quelqu'un là. C'est si difficile. Ah! Putain, j'ai trop peur. Mais ils roulent comme des tarés ici. Non mais, je te jure. C'est des ouf. C'est des ouf les gens ici là. Oh, c'est tellement loin. En vrai, il est trop bien le jeu. J'aime bien. J'espère que je vais pouvoir le mettre dans ma. Je vais le mettre dans le coffre. Comment ça verrouiller?
Merde, attends, j'ai pas compris. Comment je le lâche? Merde! Ok. Rassemblez tous les indices. Il y en a 6. Et remettez les événements dans le bon ordre. Ok. Il doit y avoir des... Premier indice. Igor freine, ce qui bloque les 4 roues. Ok. Et fait s'écraser sa voiture dans la remise du parking. Ok, donc déjà on sait, on a 2 indices. Donc Igor freine, c'est peut-être genre le dernier truc, tu vois. Non. Moi c'est le dernier truc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le dernier. Comment, pourquoi il a freiné, c'est ça le truc. Parce que c'est bon, ils ont fermé l'accès là. Ah nice. Marque de dérapage. Igor Miskin parvient à contrôler le dérapage et se dirige vers le parking. Ok. Enfin ça, encore une fois, ça vient là quoi. Vadim perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Igor parvient à contrôler le dérapage. Ah, ça va pas là apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Vadim entre en collision avec la voiture de Mishkin. Vadim entre en collision avec la voiture de Mishkin. Vadim perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Pourquoi il changerait de voie? Non. Donc quoi? Vadim entre en collision avec la voiture de Mishkin. Vadim perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Le pick-up tourne et glisse dans un arbre. Je pense que tourne. Vadim entre en collision avec la voiture. Vadim perd le contrôle de la voiture en changeant de voie. Ok. C'est bon. Scénario terminé. Bien qu'il ait perdu connaissance après avoir heurté la cabane, Igor n'a pas subi de blessures graves. Les ambulanciers ont pu le réanimer sur le chemin de l'hôpital et il a pu partir le lendemain. Lesia, lors de l'accident, Lesia n'a subi que des blessures mineures. Malheureusement, en raison de son âge avancé et de son état de santé très précaire, son rétablissement a été lent et problématique. Avec le soutien de son mari et de leurs enfants, elle a quitté l'hôpital au bout de quelques mois. Ah ouais, quand même. Les blessures à la tête de Vadim n'étaient pas la menace la plus sérieuse pour sa vie. La collision avec l'arme a écrasé plusieurs de ses côtes, ce qui a causé de nombreux traumatismes internes, dont un poumon perforé. La plupart de ses blessures ont été soignées à l'hôpital, mais la longue période de convalescence l'a obligé à fermer son entreprise. Aïe aïe aïe. Oh putain, on va voir l'accident. Tout ça parce qu'il a voulu changer la radio. C'est chaud en vrai. De dire que ça, ça peut vraiment arriver quoi. Ah, téléphone. Allô, oui. Comment se passe le travail? Notre cher Amy a terminé 3 autres cas. Ils sont déjà sur votre bureau. Nice. Ah, nom d'un chihuahua en Bermuda. Alors, on peut aller dans les Alpes de Haute-Provence. Let's go. Allons dans les Alpes de Haute-Provence. Lorsque vous recherchez des indices, essayez d'imaginer ce qui a pu causer l'accident. Les Alpes de Haute-Provence.
Alpes de Haute-Provence, France, 12 août 2014. Bon, par contre, on voit que le jeu est pas fait pour regarder dans les rétroviseurs, hein, putain. Oh putain! Oh l'accident! What the fuck? Un peu de détresse. Smartphone. On va appeler les secours. Oui, allô? Service d'urgence! Trois véhicules sont endommagés! Mais décrochez, bordel! L'équipe d'urgence est en route. Veuillez rester en ligne. Ok. Éteignez le feu! Let's go! Pas de temps à perdre. Je peux déjà agir rapidement. Ok. J'ai l'extincteur! Il est où le feu? Attends, c'est moi, il y a une bagnole qui est tombée là. Mais j'ai rien fait. Ah putain, j'ai pas mis les triangles. Attends, mais comment ils veulent que je gère le truc? What the fuck? Salut! Sécuriser la voiture sur le bord. Ok. Alors attends, couper le contact des véhicules. Déjà, on va prendre le triangle. Ah mais non, attends. Mais non, attends, c'est de la merde ce que je fais. On va recommencer. En fait, je vois à droite, il y a le temps avant. Je suis obligé directement d'intervenir sur la voiture qui est à droite parce que sinon c'est mort. C'est un truc de ouf ça par contre. Faut directement que j'intervienne sur la voiture de droite parce que sinon je pourrais pas. Bah ça, elle va encore tomber quoi la bagnole. Et une fois que j'ai fait ça, j'interviens sur le feu et après je. Et après j'appelle les secours. En plus c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Protéger, alerter, secourir. Et je ne le fais même pas moi-même. Ok. On appelle les secours. Ok, let's go. Couper le contact des véhicules. Comment je sécurise la bagnole? Trop dangereux. Comment je fais ça, putain de merde? Est-ce que je peux... Merde. Mais comment je fais ça? Mais attends, mais c'est trop dur. Mais je ne sais même pas comment je suis censé faire. Mais comment je suis censé faire? Mais comment je fais? Mais comment je fais? Mais comment je fais? Comment je fais? Comment je gère? Comment je gère? Comment je gère la bagnole là? On déconne, je comprends pas. Je comprends pas. J'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas. C'est le lieu de l'accident. Il y a là le monde dans cette bagnole. Donne le contact. Donne le contact. Est-ce qu'elle a pas un truc elle, triangle de signalisation, trousse de premier secours. Pierre bloquée, pierre. Ah ok, si je mets des pierres... Attends, non par contre ça serait complètement con. Je suis désolé, si je mets des pierres dans la bagnole et que la bagnole du coup elle ne tombe pas, c'est quand même scandaleux. Hein.
Je vais essayer. Quoi? Ok. Alors ça ne marche pas, je dois sûrement... Je dois peut-être ouvrir le truc avant, non? Ça c'est côté passager. Éteindre. Comment est-ce que je dois ouvrir le... J'en sais rien. C'est pas des pierres, c'est des rochers. Ah voilà, laisse tomber. Ok, d'accord. Hop. Ton travail, mettez d'autres pierres dans le coffre pour être sûr de sécuriser la zone. Ok. Mettez d'autres pierres. Ok. Oh, il y a un pneu ici, putain. Marquer le lieu de l'accident. On va faire ça tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Vous savez que je sais même pas si nous dans notre voiture, dans la voiture de Claire, il y a un triangle. Je sais même pas. Je pense que oui, mais... Vérifiez tous les corps. Vérifiez votre position exacte. On va vérifier tout de suite notre position. Comme ça, ce sera fait. Bon, je pense qu'elle doit en avoir un triangle. Mais ouais, j'avoue, je sais pas. Ok, ça c'est fait. Est-ce que je peux vérifier le corps qu'il y a là? Ah, il est conscient! Monsieur, vous m'entendez? Laissez-le tranquille pour l'instant, ok. Ok, allez, respire. Pas l'air d'avoir de problème. Eux, ils sont morts, je pense, hein. Ouais, elle, déjà, elle respire pas. Oh, putain. Elle a une belle ecchymose. Impossible de tirer, ok. Faut que je les aide. Impossible à retirer. Aider l'homme à sortir de la voiture, ok. Attendez l'arrivée des secours. Mais faut que j'aide même pas la femme là? Faut vraiment juste j'attends l'arrivée des secours? Ok. Bon bah on va attendre l'arrivée des secours, hein. C'est quoi, j'attends l'arrivée des secours dans ma bagnole, c'est ça? Ok. Voilà, j'ai pas fait grand chose au final dans ce... dans cette mission. À part mettre des rochers dans une voiture...
Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Bérénice s'écrase dans la voiture de Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Hugo freine trop fort et dévie sur le bord de la falaise. Mais il y a un pneu ici. Comment ça se fait qu'il y a un pneu? Indice insuffisant. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi elle s'est retournée la bagnole? Flaque d'huile. Non pertinent. Ok. Un trou dans le pneu. Ah ouais. Apparemment c'est pas très pertinent. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Après le pneu, ouais, vu qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est pas très pertinent. Ouais. Et là, il faudrait que je revienne plus loin, peut-être. Non, plus loin, il y a l'air de rien avoir d'intéressant. C'est quoi ça? Monter? Comment ça monter? Ah mais je peux aller v'là. What the fuck? Guillaume perd le contrôle de la voiture. Ah oui, d'accord. Mais en fait, ça fait longtemps que Guillaume, il était en train de faire de la merde. Ah. Ok, je savais pas. On peut se balader quand même pas mal sur les routes. Ah oui, non mais attends, quoi? Ah mais en fait, Guillaume... Attends, mais Guillaume, il a sauté là? Oh, le délire. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais attends, bah du coup, Guillaume perd le contrôle de la voiture, c'est le 1. Ah non. Quoi? Attends, mais pourquoi? Alors attends. Bénéris s'écrase dans la voiture de Guillaume. Ça, c'est au moins le 2, ça. Bénéris s'écrase dans la voiture de Guillaume. Non, alors attends, parce que ce que je suis sûr, c'est que ça, c'est le dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. Il me manque deux indices. Il me manque le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu le contrôle? Et Guillaume perd le contrôle. Et après. Alors, pourquoi est-ce que Guillaume, il aurait perdu le contrôle? Ici. Oh. Pierre avec un morceau de pneu. Une berline jaune roule sur de grosses pierres et fait éclater un pneu. Ça, c'est le premier, du coup. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a perdu le contrôle? Eh ben... Je peux descendre la falaise, du coup, maintenant. Ok. Et là, du coup, Je suppose qu'il faut que je récupère le pneu qu'il y a là-bas comme indice. Indice insuffisant. Ah non, ok. Débris de voiture. Hop là. Wow, ça aussi on va le voir. Lorsque les services d'urgence ont enfin pu retirer Ariane de la voiture, il était déjà trop tard. Elle est morte lorsque leur voiture est tombée en bas de la colline ou lorsque la voiture de Bérénice les a percutés. Quelques jours après l'accident, elle a été enterrée par sa famille. Alors que sa voiture roulait à flanc de colline, Guillaume a heurté le toit de la voiture si fort qu'il s'est brisé le cou et est mort sur le coup. Bien qu'elle ait perdu connaissance, Bérénice n'a pas été gravement blessée lors de l'accident. Elle a été réanimée peu après son arrivée à l'hôpital et l'a quittée 2 jours plus tard. Elle a ensuite contacté les familles d'Ariane, Dubo et Mathieu et les a aidés à faire face à leur chagrin. Ils restent des amis proches jusqu'à ce jour. Il a fallu plusieurs heures à Hugo pour se remettre du choc émotionnel qu'il a subi lorsque sa voiture s'est arrêtée juste au bord de la falaise. L'incident a déclenché une grave acrophobie, la peur des hauteurs, qui l'a hanté pour le reste de sa vie. Heureusement, avec l'aide d'un psychologue local, il a pu éviter des conséquences plus graves. Eh ben, waouh! Attention, parce que là,
Là, c'est chaud. What the fuck? Attends, mais déjà, en vrai, c'est ouf que sa voiture, elle se soit arrêtée, hein. Parce que vu le... La, peut-être, je sais pas à quelle vitesse il roulait, mais... Enfin, il y a moins de 4... Il y a moins de 5 mètres, quand même. Donc, le mec, putain, il a des bons freins. Il a des bons freins, le mec. Allez, on va en Suède. Il est très peu probable que la RCP permette de rétablir les fonctions vitales. Son but principal est de maintenir le flux sanguin jusqu'à l'arrivée des secours. Ok. Alors, feu de détresse. Smartphone. Couper le contact dans les véhicules, marquer le lieu de l'accident. Ok. Oh, wow. Ok. Éteignez le feu! Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait le feu. Non, c'est pas ça. Il est où? Oh, il est là. Encore une fois, il y a trois voitures concernées. Comment ça l'extincteur... Attends, mon extincteur il marche plus. Ok. Putain, c'est coincé sa mère. Attends, c'est coincé aussi, je fais comment? Oh. Mais attends, mais il y a combien de personnes? Premier. Oh, le nombre de personnes qu'il y a. Ok. Vérifiez votre position exacte. En plus, je suis juste devant ma voiture, donc je vais faire ça direct. G965. Ok, lui il respire. Oh, mais il s'est fait défoncer lui, hein. Y a un mec dans la bagnole là. Ah, il faut que je l'atteigne de l'autre côté. Oh, lui, il a l'air blessé sur le bras. Alors déjà, je vais récupérer l'information du bras. Je peux pas, il faut d'abord que je secoue. Tac, une plaie. Pour moi, lui, il respire. Il respire pas. Merde! Il ne respire pas! Yo, Fuel, comment ça? Je peux l'inspecter d'ici, le gars.
Madame ? Détache sa ceinture. Merde, oups, j'ai remis la gueule dans le volant. Malade ? Ah merde, qu'est-ce que t'as ? Sinon, moi, je vais bien. Je suis en pleine forme aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Oh mais c'est un petit garçon, putain, j'avais pas vu. Mais y'a personne qui respire dans cet endroit ou quoi? Oh merde. Il y en a une qui est morte. Commencez par l'enfant, donnez-lui 5 insufflations initiales. Ça devrait être suffisant pour rétablir sa respiration. Ok. Il faut une trousse de secours, ok. Mets mes gants. Ouvrir les voies respiratoires. J'ai dû choper un coup de froid et je paye mes heures de sommeil depuis jeudi. Ah oui, ok. Ok. Je vérifie s'il respire. Ok, il respire. Mettre la position latérale de sécurité. Ah merde, j'ai oublié de ramasser le masque. Comment je mets la position latérale de sécurité au gosse? Ah oui, ok. Tac. 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 Et tac. Ok. C'est bon, lui il est en PL. Oh là là, il y en a, ils vont mourir. Putain de merde. J'ai marché carrément sur le gamin, moi, je m'en bats les couilles. Oh là là, c'est la galère. Monsieur ! Bloqué par la ceinture, ok. Alors. Premier secours. J'ouvre les voies. Ramasse le masque. Let's go. Ok. Ça c'est fait. Ok. Putain mais il respire pas, il est mort je pense. Il est décédé je pense le mec. C'est fini, j'ai perdu 2 personnes dans cet accident. J'ai pas pu tous les sauver. Bon au moins j'ai sauvé le gamin. Et ça c'est bien ça. Pourquoi tu dors pas beaucoup du coup depuis jeudi? J'ai l'impression le micro il est pas droit. Non? Je sais pas. Bon là il est droit. Ouais je sais pas. Allez on s'en fout. Le Covid a flingué mon corps. Mais ça c'est possible en vrai. Puis depuis le temps c'est fort probable. En vrai on connaît pas encore tous les effets secondaires du Covid hein. Donc ça se trouve il y a des trucs
Ça, c'est pas pertinent. Les marques au sol, elles sont pas pertinentes. Comment ça se fait? Un sanglier. Ok, il y avait un sanglier sur la route. Ils ont voulu l'esquiver et en fait... ils sont rentrés dedans, c'est ça? Ça se trouve, les taches de sang, c'est des taches de sang du sanglier. Il y a peut-être l'animal mort quelque part. Hein. L'animal est peut-être mort quelque part. J'ai pas l'impression en vrai. Attends, parce que là déjà on a déjà 4 indices. Suzanne Frame entre en collision avec la remorque. Un sanglier sur la route. Ça c'est le premier. Change de voie pour éviter l'animal. Et entre en collision avec la remorque. Collision avec le camion venant au sens inverse. Ça doit être le dernier ça. Je pense. Ah non, même pas. Peut-être le quatrième du coup. Ok, non, c'est le troisième. Ok, collision avec le camion venant du sens inverse. Suzanne freine pour éviter la remorque. Quatrième, cinquième, dixième. Ok, donc il me manque. Après, l'impact avec le camion. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, c'est forcément là-bas. Une fois qu'il y a eu l'impact avec le camion, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'as essayé de taper la remorque, il y a une flaque d'huile. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Oh! Ah bah oui! Une fois qu'ils sont heurtés... What? Attends, mais pourquoi il l'a pas mis en tant que... qu'indice? Ah, non. Attends, il y a un problème là. Il me l'a pas mis en tant qu'indice. Il a bugué le jeu ou quoi? Putain, c'est un indice le fait que le mec il ait été éjecté de la bagnole. Je comprends pas. Putain, l'enculé! Il portait pas sa ceinture! Mais non, il portait pas sa ceinture de sécurité, le camionneur. Comme quoi, portez votre ceinture, les gars. Portez votre ceinture. Et du coup, là, la trace de sang... Ah bah non. Une fois qu'il a été éjecté... Qu'est-ce qu'il pourrait... Attends. Suzanne entre en collision avec la remorque. Ça doit être derrière, je pense. Non pertinent... Attends, une fois que le mec... Camion ne portant pas sa ceinture de sécurité. Ok, je veux bien, le camionneur il porte pas sa ceinture de sécu, mais... Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Il y a un indice que je ne vois pas. Ça, c'est pas pertinent. Je vois pas pourquoi. J'ai dû rater quelque chose. Le camionneur, il porte pas sa ceinture de sécu. Mais du coup, le fait qu'il porte pas sa ceinture de sécu, qu'est-ce que ça change? Enfin, genre, vraiment, là, j'ai pas d'idée. Ça c'est coincé. L'autre, elle s'est mangé le camion. Elle s'est mangé la remorque. C'est la dernière chose qu'on ait comme info. C'est qu'elle s'est mangé la remorque. Mais est-ce que du coup, il y a une raison particulière pour qu'elle s'est mangé la remorque? Ou pas du tout? Genre, il y a aucune raison peut-être. Peut-être sur les côtés, peut-être que j'en sais rien, j'ai raté un truc. Putain, je comprends pas.
Et là, il me dit tâche de sang non pertinente. Non, je sais pas. En fait, j'ai. Mais en fait, je pense que. Bah oui, il est bugué mon jeu. Normalement, je pense que quand il a vu le camionneur. Putain. Quand il a vu le camionneur, normalement, il aurait dû me donner l'indice comme quoi il s'est pété. La... Il a été explosé par la fenêtre. Et il me l'a pas donné. Mais non. Pour moi, c'est 100% sûr. Le jeu, il a bugué. Chier. Ouais, on va recommencer le scénario, c'est pas grave. Oh, faut tout recommencer. Putain. C'est pas grave. Allez. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Faut boire une tisane nuit tranquille, Floël. Ah merde. Si j'appelle pas les secours, c'est vrai que ça risque, je risque pas de les appeler. Alors attends, marqué le lieu de l'accident, il faut que j'éteigne le feu. Fais le contact de tous les véhicules. Éteignez ce feu immédiatement. Et là c'est coincé, il faut que je, impérativement que je passe. Tac. Là on va speedrun le truc, on va essayer de faire en sorte de sauver le plus de personnes possible. Et premier, c'est bon. Vite que je mette le deuxième. Ensuite, une fois que j'aurai mis le deuxième, il faudra que je revienne dans ma voiture. Donc, je peux limite tenter de regarder les corps dès le départ. Et comme ça, quand j'arriverai au dernier corps, hop là, je pourrai regarder l'emplacement où je suis. Là, je speedrun le truc. Je vais absolument essayer de faire en sorte de la faire survivre, la fille. Je crois que j'ai pas eu le temps de la sauver. Elle a une plaie. Je l'avais vue tout à l'heure, la plaie. Lui, je crois qu'il est décédé, lui, hein. Pour moi, lui, il est mort, je crois, de base. Ah non, il est vivant, putain! Ok. Ok. Bon, la femme est morte. Ça, c'est inéluctable. Ça, c'est sûr et certain, la femme est décédée. Le gosse va mourir aussi. C'est un plaisir. Yo, mon matrousse de soins, là. Ok, par la ceinture de sécurité. Elle m'emmerde, ta ceinture, putain, retire-la. Quelqu'un d'autre a besoin d'aide. Pour risquer de le déplacer. Mais il m'emmerde! Ah, il faut sauver le gosse d'abord, ils ont dit.
Tac, on met les gants. Ok. Lui c'est bon. La mère elle est morte donc on s'en branle. Je crois qu'il est décédé lui hein. Je pense que lui il est décédé hein. Je veux pas dire de trucs, de choses mais je pense qu'il est mort. Ok donc. Est-ce que cette fois-ci le jeu va être sympa avec moi et va me donner mon indice. Hop. Il me l'a donné ? Ben ouais, voilà, c'est bien ça. Du coup, normalement, j'étais censé l'avoir et il me l'a pas donné tout à l'heure. Donc, ok. Tac, il y avait des traces du sanglier aussi. Tac, qu'est-ce que j'étais censé avoir d'autre tout à l'heure ? Je ne sais plus. Putain, je sais plus c'est quoi le dernier. Alors, attends. C'était quoi déjà? Éjecté à travers le pare-brise, ça doit être genre le 5. Ne portant pas sa ceinture de sécurité. Un sanglier sur la route, c'est le 1. Freine en collision avec la remorque, ça doit être le 3, je pense. Non, donc c'est le 6. Collision avec le camion en venant de sens inverse. Et du coup, il me manque le truc sanglier sur la route, là. C'est bon, punaise. Tout ça parce que le jeu avait bugué. Après un examen minutieux à l'hôpital, Jacob Haraldsson a été diagnostiqué avec une lésion et de la colonne vertébrale. Il a subi une opération d'urgence, après quoi il a dû suivre plusieurs mois de rééducation pour pouvoir remarcher. Actuellement, Jacob travaille comme agent de sécurité dans un supermarché local où il surveille les caméras. Et il devra prendre des analgésiques le restant de sa vie. Ingolf a subi une importante perte de sang due à une profonde lacération de son bras par un morceau de verre. Heureusement, votre massage cardiaque lui a sauvé la vie et les ambulanciers ont arrêté l'hémorragie. Les blessures ont guéri rapidement, mais le verre a sectionné plusieurs nerfs et Ingolf a perdu l'usage complet de sa main gauche. Les blessures étaient cependant mineures et il a pu fonctionner normalement. Lorsque la voiture de Suzanne a heurté l'arrière de la remorque, son pare-choc a brisé la vitre avant et l'a frappé à la tête, la tuant instantanément. Il n'y avait rien que vous ou les ambulanciers puissent y faire. Elle a été enterrée une semaine plus tard dans sa ville natale. Après l'impact, August Hollander est rentré en état de choc, ce qui a provoqué un coma. Il a également souffert de plusieurs blessures internes mineures. Après 5 semaines, il a repris connaissance et est rentré chez lui pour vivre avec son père. L'accident et la mort de sa mère l'ont gravement traumatisé et il a dû suivre une thérapie pendant 2 ans. Après cela, il est retourné à l'école. Ils ont carrément flouté le mec qui est en train de s'exploser par terre.
Le sanglier, il va bien. Le sanglier, il va bien. Tout va bien. Non, mais vraiment. Putain. Ok. Il nous reste au Tennessee, aux USA. 1h42 du matin. Ouf. Accident de nuit. Let's go. Bon, ça a prévu quoi de beau aujourd'hui, les gens, du coup, dites-moi. Est-ce qu'il fait beau chez vous, d'ailleurs, tiens, dites-moi. Tu vois pourquoi aujourd'hui, je suis dérangé par le micro, il me fait chier. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, le micro me fait chier. Vraiment, Je sais pas pourquoi, là, il m'emmerde. Waouh. Ah ouais. Oh putain. Appelez les services d'urgence. Allô. Oh putain, j'ai plus de batterie. Merde. T'as pas un portable, frérot? Déverrouiller le coffre. Oh, lui, il a pris cher. Il fait lourd, ouais, il fait lourd aujourd'hui. Je regarde un peu. Il me faut un portable, bordel. Venez me parler si vous ne savez pas quoi faire. Ok. Coupez le contact des véhicules. Ok, elle est coincée. Ok, les deux. Marquez le lieu de l'accident. Alors, il y a des fusées de détresse, mais je m'en bats les steaks. Mais attends, mais y a pas de triangle. Comment je fais? Ok. Enfin... Alors attends, parce que logiquement, il aurait fallu que j'en mette un là. Non? Ok. Vérifiez tous les corps, vérifiez votre position exacte. Ok, il respire. Lui, il respire. C'est bon. Je peux pas enlever la ceinture. Ok. Peut-être... Wow. Et par contre, dès que j'arrive vers cette bagnole-là, le jeu, il me fait laguer. Hein. Putain. Comment je regarde où est-ce que je suis? Oh, lui, il a pris cher. Petite ecchymose. Putain, comment je sais où je suis? Là, j'ai un Burger King. Attends, il me dit qu'il y a... Comment ça, 3 personnes sur 4? Et elle est où la dernière personne que j'ai pas inspectée? Oh, mais c'est lui là-bas, non?
Bon, lui, il a pris tarif. Non. Il respire encore. Ok. Donc, comment je fais pour regarder où je suis maintenant? Je peux... Ils ont aucun GPS dans leur bagnole. Peut-être dans la bagnole là, en vrai. Est-ce qu'il y a un GPS dans celle-là? Non. Putain. Ça, c'est... Peut-être dans celle-là, au pire, je défonce la porte. Il y en a un, ils vont mourir. Ils vont déjà mourir, putain, je vais peut-être mon pas assez vite. Comment je fais pour savoir où je suis, bordel? Peut-être si je peux regarder mon téléphone, peut-être, non? Non, je peux pas. Y a pas de panneau, y a rien. Oh, attends. Ok. Transmettez l'information au service d'urgence. Il est où déjà le téléphone? Il est là-bas. Bah, y a deux mecs qui vont crever avant que... avant que je termine, quoi. Je vous remercie d'après ce que vous me dites, le conducteur de la voiture de sport est dans la situation la plus grave. Si vous pouvez, faites-le sortir et pratiquez un RCP. Ok. Ok. On va pratiquer un RCP. Parce qu'il a une trousse de secours, oui. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nickel. Nouveau record, let's go. 40 000 de score, pas mal. Ok. Là, je crois qu'il respire plus. Mais il est mort. Il est décédé, gros. Mais ils sont tous morts. J'ai fait tuer tout le monde. Je vais pas aller assez vite. Mais en vrai, moi, je pense, dans une situation comme ça, je panique. Hein. En vrai, je pense que moi, je panique direct. Hein. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à garder votre sang-froid si vous arrivez dans un... dans une situation comme ça? Moi, je pense que je panique. Hein. Je pense que j'arriverai pas à savoir quoi faire. T'arrêtes au milieu de l'intersection. Mais d'un radiateur éclaté. En fait, c'est ouf comme quoi il fait chaud et moche chez toi. En fait, c'est ouf de se dire que des fois il fait vraiment moche, mais qu'il fait quand même très chaud quoi. Alors, il me manque un indice. Sûrement. Attends. Je vais essayer de voir un peu les indices que j'ai. Genre, William a heurté par la voiture de sport de Freddy. La voiture des Hampton heurte la voiture de sport. La voiture de sport s'arrête au milieu de l'intersection. Ah, c'est pas le premier. William Maddox est heurté par la voiture de sport de Freddy. Non, c'est toujours pas la première. Il me manque le truc de base. Il manque ce qui s'est passé au début, quoi. Pourquoi... C'est quoi, ça? Carton, mais c'est pas très pertinent. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Pourquoi, les mecs? Pourquoi c'est la merde? Il me manque un indice, quoi. Je vais pas le trouver. Qu'est-ce que ça peut être?
J'espère que ça va pas encore full bug comme tout à l'heure et que j'aurais dû l'avoir et qu'ils me l'ont pas donné. Lundi, c'est pas très pertinent. Attends, au pire, la voiture de sport s'est arrêtée au milieu de l'intersection, c'est peut-être genre le 3. Ok. La voiture de sport d'Anton, ça c'est le 4. Ok, il me manque vraiment le truc qui a commencé, quoi. Pourquoi les gens... Pourquoi c'est la merde? Il me manque ce truc-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je sais pas. C'est pas du tout. Pourquoi c'est la merde? Fumée d'un radiateur éclaté. Est-ce que par hasard je peux pas... Ah mais attends, c'est vrai que je peux peut-être regarder dans les voitures. Il y a peut-être un truc que j'aurais pas vu dans les bagnoles. Ça se trouve, je sais pas, là c'est coincé. Ah, attends. Parce qu'il était pas en train de regarder, il était... Brochure. Oh, le fils de chien! Mais non, il participe à une course de voiture illégale, ce qui fait qu'il a heurté le William Maddox. Ce qui fait que la voiture s'est arrêtée au milieu de l'intersection et que les Upton ont heurté la voiture. Oh, oh le bordel. L'orage qui fait monter la chaleur. Ouais, moi, il fait trop chaud ici aussi. En plus de plusieurs blessures, l'accident a fracturé la jambe gauche de William. De plus, en raison de son mauvais état de santé général, William est aussitôt tombé dans le coma. Sa santé était si mauvaise qu'il ne s'est jamais remis et est mort à l'hôpital 4 mois plus tard. Votre aide immédiate a sauvé la vie de Freddy. Les ambulanciers ont pu le réanimer sur le chemin de l'hôpital, où il a été accusé d'avoir provoqué des blessures graves en conduisant d'une manière imprudente, ce qui lui a valu une peine de 10 ans de prison. Au cours de l'accident, Jason n'a pas subi de blessures graves et est rapidement sorti de l'hôpital. Il s'est rapidement intéressé au cas de Freddy Weaver, et certains pensent que son témoignage a été la principale raison de la peine exceptionnelle élevée infligé à Freddy, bien que personne n'ait pu trouver de preuves matérielles. Tout comme son mari, l'accident n'a pas causé de blessures graves à Bethany. 2 semaines plus tard, elle a pu reprendre son travail d'assistante du maire. Carrément. Excusez-nous. Ah ouais. Ça encore, ça peut tellement arriver, ça. Vous pensez qu'en France, il y en a des courses de rue comme ça? Je sais pas si en France, il y en a des courses de rue comme ça. Une autre série de cas a été préparée pour vous. Ceux-ci sont peut-être un peu plus difficiles, mais je sais que vous pourrez les résoudre. Sur autoroute? Rencontre dans le désert. Ah mais... Ah oui. Catastrophe sur autoroute. Let's go. En vrai, je le trouve cool. Le jeu, il est vraiment bien. Il est très peu probable que le RCP permette de rétablir les fonctions vitales. Son but principal est de maintenir le flux sanguin jusqu'à l'arrivée des secours. J'ai déjà eu tout à l'heure celui-là. Je sais pas, là aujourd'hui le micro me fait vraiment chier. J'ai du mal à bien le mettre. Ok. Alors, téléphone. Feu de détresse. Ouvrir la boîte à gants, qu'est-ce qu'il y a? Lampe de poche. Ok, j'appelle les secours. 23h15.
Allô? Allô? Ok. Tac. Oh putain. Couper le contact des véhicules. Je vais direct te mettre un triangle parce que sinon on va avoir des problèmes. Il va y avoir des voitures qui vont nous casser les couilles. Hop là. Premier triangle. Voilà. Ça c'est fait. Oh putain, de l'autre côté de la route. Ah oui, non, d'accord. Mais ça ne rigole plus, en fait. Oh. Ok, alors attends, tac, j'ouvre le coffre. Je prends le triangle, comme ça, c'est fait. J'éteins le moteur. Comment je passe de l'autre côté? Je peux passer là? Oh, le bordel. Ah, mais là, c'est le bordel total. Ok. Ça c'est fait. Il y a une personne sur les trois qui va bientôt mourir. Va falloir que je me dépêche. Oula. Si vous voyez, vous pouvez trouver un moyen d'atteindre le chauffeur. Ok. Putain, même lui, j'arrive pas à l'atteindre. Peut-être que vous pourriez utiliser quelque chose pour ouvrir cette porte. Ok. Je peux vraiment pas couper le moteur. Ok, je peux vraiment rien faire. Et là, est-ce que je peux... il faut quelque chose de solide. Là, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ok. Je vais voir ce que j'ai peut-être ici dans le coffre. Il y a quelque chose ou pas? Petit extincteur. Il faut quelque chose de solide. Oh là là, oh là là, oh là là. Extincteur, vous pensez que je peux utiliser l'extincteur pour défoncer la fenêtre? Ah vas-y, je m'en bats les couilles. J'utilise l'extincteur pour défoncer la fenêtre, moi, je m'en fous. Trop risqué de la briser. Ah merde. En effet, c'est... Oui, non, c'est logique. Et celle-là, je peux la défoncer peut-être? Allez. Hop là, ça dégage. Maintenant, déverrouiller la voiture. C'est bon. Clé en croix. Ok, let's go. Comment j'ouvre cette putain de porte? Attendez. C'est bon. Ok, ça c'est fait. Vérifier tous les cadavres, vérifier le lieu, borne routière la plus proche. Borne routière la plus proche. Il y en a une de l'autre côté, je crois, non? Là. 98. Wouah, ça lag! The fuck? Comment ça se fait que ça lag comme ça? Re, Setsuna. Mais ça lag à mort, là. Non, ça, le jeu, il aime pas trop les environnements de nuit, hein. Ok. Apparemment, il me reste une blessure à trouver, je la vois pas. Ah là, allez là. Il y en a même, plus que deux, en fait. Ok, un, deux, il me reste la personne là-bas. Oh, il y en a un, il va mourir, putain. Oh mais elle est pas... Putain, elle m'a fait trop peur. Elle m'a fait trop peur. Ouais, si elle est consciente, aidez-la, ouais, on verra ça plus tard. Bloqué par la ceinture de sécurité. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Il respire pas, lui. Lui, il respire pas, lui. Lui, il est décédé. J'ai eu le temps de rien faire. Découverte des causes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marque de dérapage. Daniel s'arrête au milieu des voies au sens inverse. Mais qu'est-ce qu'il fait? La camionnette entre en collision avec la voiture de sport. La voiture de sport entre en collision avec le pilier de pont. La voiture rentre dans la barrière et s'arrête au pilier. Ok. Poteau bord de route cassé. C'est pas intéressant. Attends, mais pourquoi elle a dérapé de ouf comme ça, elle? Mais attends, mais elle a dérapé depuis v'là longtemps, en fait. Pourquoi? Attends, mais what the fuck? Barbara Nems perd le contrôle de sa voiture. Oh! D'accord. Miroir brisé. Ok. Mais attends, mais elle l'a perdu depuis longtemps, le contrôle de sa voiture, là. Daniel Capox perd le contrôle de sa voiture. La voiture de Daniel entre en collision avec celle de Barbara. Oh putain, j'ai tout, mais je sais pas. Attends, Daniel s'arrête au milieu des voies de sens inverse. La camionnette entre en collision avec la voiture de sport. La voiture de sport entre en collision avec le pilier du pont. La voiture rentre dans la barrière, s'arrête au pilier. Pourquoi la voiture elle rentrerait en collision avec la voiture de sport? Attends, qu'est-ce qui aurait pu arriver en premier? La voiture de Daniel entre en collision avec celle de Barbara. Barbara prend le contrôle de sa voiture. La voiture rentre dans la barrière et s'arrête au pilier. La voiture de sport entre en collision avec le pilier. La camionnette. Moi, je pense que ça... Genre, Barbara perd le contrôle de sa voiture. Genre, ça doit être 4. 4 ou 5, je pense. Non? Ou 3? Ok, 3. Alors, mais pourquoi 3? Parce que du coup, je pense que... il est rentré dans la barrière. Et, non, il est entre collision avec le pilier de pont. Peut-être celui-là. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais, attends. Parce que si elle perd le contrôle de sa voiture, l'autre, il est forcément arrivé sur sa voie, non? Camionnette entre en collision avec la voiture de sport. Et pourquoi elle entre en voie... Pourquoi? Daniel Capox. Mais non. Attends, mais what? Mais attends, mais quoi? À boire. Je vois pas ce que peut être le premier. Vas-y, tu sais quoi, je vais tout mettre, on verra. What? Daniel perd le contrôle de la voiture. Ok. Daniel s'arrête au milieu des voies en sens inverse. Ça doit être genre le 4. 4 ou 5. Quoi? T'es en train de... Ça, c'est le 2. Ok. Une fois que Barbara perd le contrôle. La voiture de sport entre en collision avec le pilier du pont. La voiture rentre dans la barrière et s'arrête de plier. Daniel s'arrête au milieu de la voie de sens inverse. Il m'en reste 4. Le dernier, c'était Barbara Nems perd le contrôle de sa voiture. La camionnette entre en collision avec la voiture de sport. La voiture de sport entre en collision avec le pilier de pont. La voiture rentre dans la barrière et s'arrête au pilier.
Et Daniel s'arrête au milieu des voies de sens inverse. Pour moi, ce serait ça. Pourquoi? Pourquoi c'est pas ça? Faut faire chier. Attends, mais je comprends pas la logique. Ah, d'accord, il parle de la voiture de Barbara. Ok, ça, c'est la voiture de Barbara. Ok. Ensuite, du coup, il y a forcément Daniel. Mais quoi? Mais pourquoi? Ok. Bah, du coup, c'est le 7. Mais quoi? Que... pas tout compris. Grâce à vos actions décisives, Daniel a été rapidement transporté à l'hôpital. Malheureusement, ses blessures étaient trop graves. Il est mort le lendemain. Nice. Lorsque la camionnette de Christopher est entrée en collision avec la voiture de sport, sa ceinture de sécurité était trop relâchée. Il s'est cogné la tête sur le volant, ce qui lui a fait perdre connaissance. Bien qu'il ait repris conscience environ une heure plus tard, l'hôpital... Il a souffert. Nanana, ok. Malgré un saignement abondant, les blessures sur le front de Barbara n'étaient que superficielles. Après avoir passé une nuit à l'hôpital, elle a été autorisée à rentrer chez elle. Ok, je veux bien savoir ce qui s'est réellement passé là, parce que j'ai rien compris. Ok, wow, j'avais rien compris, putain. Vous aviez compris, vous, que ça s'était passé comme ça? Non, moi, j'avais rien compris. Hein. Ok. Très bien de retourner le jour, quand même, pour voir si c'est la nuit qui fait bugger le jeu ou si c'est tout le jeu. Ah ouais, c'est un bus de la prison. Ah mais attends, ça se trouve, il y aura masse personne dans le bus. Oh putain. J'espère qu'il n'y aura pas 50 personnes. Ok, let's go. New Mexico, USA, 1972. Oh, Mexico. Mexico. Il n'y a qu'une voiture ? Mais il y a peut-être beaucoup plus de personnes victimes sur ce coup-là. Ok. Boîte à gants. Vérifier les lieux. En fait, je peux le faire dès le départ, ça. Ok, je peux le faire tout de suite dès le départ. Ah non, ok. Trouver un moyen d'appeler les services d'urgence. J'ai pas de téléphone ? Ok. Lui, il aura peut-être un téléphone, le mec, là-bas. Oh, le bordel. Ah, mais je peux déjà trouver des indices, en fait. Monsieur ? Verrouillé. Oh, la putain. Bah, lui, il est mort, hein, je pense. Verrouillé. Bah en fait, c'est vraiment maintenant toutes les missions est full bug quoi. Et quoi après ce jeu là, je vais tester le jeu du loup-garou pour voir si c'est bien ou pas. Je peux aller par là? Je peux pas aller par là. Comment je peux contacter les secours dans un désert? Il y a des bornes SOS?
Je sais pas du tout. Mais y a rien en fait, là je cours pour rien. Oh mais je vais tellement loin. Non, ok. Toujours la même galère, hein. Je sais jamais comment contacter les... J'ai rien en plus. La res. Comment je contacte les mecs? Je peux pas fouiller le mec là? Endommagé. Y a aucune... Y a rien en fait. Je pense que j'ai dû rater quelque chose. Attendez, je vais rentrer dans ma voiture. Et puis je me casse. C'est le mec. Regarde si j'ai pas un téléphone ou quelque chose, mais j'ai rien. Ah putain. Il est bien caché là, hein, le truc là. Bah écoutez, hein, je pense que... Ah attends. Mais en fait, déjà, pourquoi je peux pas rentrer dans la voiture? Putain. Je vais ouvrir ça. Il a vraiment... T'as vraiment pas de téléphone toi, frérot? Oh, t'as pris cher, hein. Même là, ça sert à rien de rentrer. Y'a rien du tout. Rien, toi. Mais y'a que dalle. Mais attends, mais comment j'appelle les urgences? Comment je suis censé appeler les urgences? Alors là, vraiment, je comprends pas. Attendez, je vais repartir par là, j'ai peut-être pas tout fouillé. Ouais, non, ça me bloque. Par là, y a pas grand-chose. Ouais, je sais pas. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, il n'y a aucun téléphone, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Vous savez, là, je peux pas appeler les urgences, hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Attends. Ah, attends. Ah non, j'ai déjà fouillé entièrement la voiture de police, donc... Enfin, du truc de bus. On est d'accord, j'ai tout fouillé, hein. Genre vraiment, y a rien que j'ai raté. On peut pas rater grand-chose. Là... Même lui, là, je peux même pas le fouiller, je peux rien faire. Alors là, vraiment, je ne sais pas.
Bon bah écoutez. C'est la fin pour moi. C'est la fin. C'est la fin pour mon métier de journaliste. C'est pas ce qu'il fallait faire. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. New Mexico. On en a fait quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. On en a fait 7. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, bah écoutez, en vrai, ouais, on va s'arrêter là pour ce petit jeu. Hein. C'était sympa. N'hésitez pas si. Plus au score de RCP, 40 000. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Si vous voulez découvrir ce petit jeu, n'hésitez pas. C'est Accident, le nom du jeu. Je crois qu'il coûte 12 euros sur Steam. Un truc dans le genre, mais vous pouvez l'avoir pour bien moins cher hein, sur plusieurs autres sites si vous le voulez. Voili. Voilou. D'ailleurs, il est sorti l'année dernière, le jeu. Mais je pense qu'il devait être en accès anticipé. C'est le genre de jeu qui ont un accès anticipé pendant longtemps, ça. Donc bon. Yo, Fabienne, comment ça va ? Alors, on va tester du coup un autre jeu qui est sorti il y a quelques temps. Qui, comme pas mal de jeux, a eu dernièrement. A eu une entrée dans le game pas très appréciée apparemment, c'est Werewolf The Apocalypse.